يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع مدار. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale visite du président Abdelmadjid Tebboune en Chine. Un accueil en grande pompe a été réservé au président algérien par son homologue chinois Xi Jinping. Abdelmadjid Tebboune a eu l'occasion de s'entretenir avec plusieurs personnalités chinoises au sein de l'État. Le président a également déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des héros du peuple à Pékin. Le président Tebboune a présidé à son homologue, avec son homologue chinois, la cérémonie de signature de 19 documents entre accords et de coopération et mémorandums d'entente concernant plusieurs secteurs et domaines de coopération commune entre les deux pays. Quelles perspectives de développement pour les deux pays? Quelles opportunités de coopération pour ces deux partenaires, d'autant que les deux pays partagent les mêmes points de vue sur certains dossiers, notamment palestiniens, sahraouis en l'occurrence. Retour donc sur cette visite d'État du président Tebboune en Chine, à l'invitation bien sûr de son homologue chinois. Nous en parlons ce soir, comme je le disais, avec Faisal Isdaren, chercheur en relations internationales. Il est avec nous depuis Paris, Faisal Isdaren. Et bien sûr, nous allons retrouver aussi Kamel Louage, journaliste à Sputnik Afrique. Il est avec nous aussi depuis Moscou. Bonjour Kamel Louage, bonsoir plutôt. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Sur le plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Il est présent avec nous ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Monsieur Kaoubi. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, messieurs, je vous propose, avant d'entamer le débat, bien entendu, de voir ce compte rendu signé Souhila Akhilal. Le président algérien et son homologue chinois ont passé en revue les relations historiques qui unissent les deux pays. Les deux présidents ont décidé de poursuivre l'intensification de la concertation politique à tous les niveaux et de développer la coopération dans différents domaines afin de consolider davantage les intérêts communs. Les deux parties ont mis en avant l'importance de consolider la coopération politique et sécuritaire et leur détermination à intensifier la coopération à différents niveaux. Sur le plan économique, Pékin et Alger ont réaffirmé leur détermination à augmenter le volume des échanges commerciaux et à faciliter les exportations hors hydrocarbures algériennes vers la Chine. Mais plus important encore, augmenter les volumes des investissements qualitatifs chinois et ouvrir des horizons plus larges de coopération économique entre les deux pays dans différents domaines. Une série de 19 accords et mémorandums d'entente portant sur l'ensemble des domaines de coopération a d'ailleurs été signée. Les deux présidents ont en outre fait part de leur détermination à consolider la coopération dans le domaine de la santé, laquelle remonte à 1963, date d'envoi par la Chine de la première mission médicale en Algérie en dehors de son territoire. L'Algérie et la Chine ont également réaffirmé leur attachement à l'intensification de la concertation et la coordination autour des questions internationales. Alger et Pékin soulignent l'impératif de respecter le principe de bon voisinage et veiller au renforcement continu de la démocratie dans les relations internationales, en plus du règlement des conflits par le dialogue et les voies pacifiques. À cette occasion, l'Algérie a réaffirmé son respect du principe d'une Chine une et unie,
Taïwan est en partie intégrante des territoires chinois et exprimer son opposition à l'indépendance de Taïwan, quelle qu'en soit la forme. La partie chinoise a quant à elle exprimé son soutien au rôle constructif et important de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Les deux parties ont par ailleurs souligné l'importance du partenariat stratégique global entre l'Afrique et la Chine et du soutien des efforts des pays du continent visant à réaliser leur objectif commun de développement conformément à l'agenda 2063, mettre fin aux crises qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain en se référant aux principes fondamentaux de la charte constitutive de l'Union africaine et œuvrer à développer les solutions africaines aux problèmes africains. Alors voilà, pour commencer ce débat, on va le faire avec vous, monsieur donc Kaobi. L'Algérie, la Chine, une coopération qui est appelée à se renforcer et une concertation à s'intensifier. Qu'est-ce que cela veut dire plus, de manière plus pragmatique sur le terrain ? Oui, de façon plus pragmatique, ça sera un nouvel élan à une coopération qui se veut beaucoup plus basée sur les joint ventures et beaucoup plus basée sur l'intégration. Donc le bilan de la coopération entre les deux pays montre un aspect principalement commercial en matière d'échange, donc en moyenne 8 milliards de dollars de flux d'importation algérienne de la Chine et en moyenne aussi 1,4 milliard de dollars d'exportation annuellement de l'Algérie vers la Chine. Mais le plus important, si on se réfère à la politique affirmée, mise en place par les pouvoirs publics en matière d'économie, c'est la diversification, c'est l'intégration et c'est la création de valeur ajoutée. Et donc, toute cette valorisation des richesses nationales, que ce soit dans le domaine de l'exploration minière, mais pas que, dans le domaine des énergies nouvelles principalement, de la technologie, de la chimie, de l'électronique et de l'industrie d'une manière générale. Donc, cette politique affichée, ces secteurs stratégiques déterminés feront l'objet donc, de joint venture entre les deux pays et dans l'avenir, ce qui est souhaité, c'est surtout des entreprises communes, des investissements algéro-chinois qui auront à créer de la valeur, à produire ensemble des biens et des services qui ne seront pas destinés uniquement au marché algérien, mais au marché africain et au marché méditerranéen et européen. Très bien, Monsieur Kaobi. Justement, on va parler de cette Algérie qui sera un petit peu le portail pour l'Afrique concernant donc la coopération avec la Chine. Je me tourne vers vous, Monsieur Louage. Pour vous, comment peut-on expliquer ou comment cette intelligence économique est une discipline qui est pratiquée à grande échelle par la Chine, que ce soit en Afrique ou même en Europe? Pensez-vous que les entreprises algériennes ont à gagner, à s'inspirer, voire même à se frotter à de l'expérience chinoise en matière d'intelligence économique, plus précisément? Monsieur Louage, vous m'entendez? Bien. Oui. D'abord, je vous salue et je salue vous invités et tous les auditeurs algériens. Moi, j'aimerais bien noter quelque chose de très important avant de répondre directement à votre question. Oui. C'est le contexte dans lequel intervient cette visite du président Tebboune en Chine. Il faut bien voir que nous ne sommes plus dans le monde d'avant l'opération spéciale russe en Ukraine, et qu'actuellement, il y a un bouleversement complet, et il y a une dislocation de l'ordre qui a été établi par les Occidentaux après le démembrement de l'Union soviétique. Et donc, l'ordre-là, qui est en phase d'émergence, est un ordre qui offre des chances inouïes à tous les pays du monde, notamment africains. Donc, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de savoir-faire chinois qui peut être transféré sans problème vers les pays d'Afrique, en particulier l'Algérie. Je peux citer par exemple le mémorandum ou l'accord sur le développement de l'agence spatiale algérienne, et qui a une certaine expérience déjà, mais avec les Chinois, on peut aller vraiment très très loin dans le développement de ce secteur. Et on peut ajouter l'énergie nucléaire, par exemple, les transports rapides, comme les trains rapides. Il y a juste une chose qu'il faut absolument se mettre entre ses yeux.
et à avancer efficacement dans ça, c'est que il faut choisir des projets comme ceux que je viens de citer tout de suite là, et les utiliser comme des projets pilotes et comme des projets qui vont exercer un effet de levier sur toute l'économie. Des projets qui vont servir de locomotive pour tirer beaucoup d'autres secteurs en créant des entreprises, comme votre invité, le premier intervenant, a dit, et à juste titre, des entreprises de joint venture ou des entreprises communes, mais avec donc des objectifs de fabrication locale, de formation pointu et de transfert de technologie, mais il faut aussi penser à toutes les entreprises de sous-traitance qui peuvent être créées en Algérie et qui seront jointes justement à ces différents projets. Le contexte international actuellement est complètement changé et il y a des opportunités énormes, y compris sur le plan financier. D'ailleurs, la réunion des BRICS qui va se tenir au mois d'août prochain, le 24 juillet, est absolument crucial. Pardon ? Le 24 juillet, la réunion des BRICS. Non, je parle du sommet des BRICS, le sommet des chefs d'État. Oui. C'est le sommet. Oui, allez-y. Ouais, Johannesburg, oui. Donc, c'est. Et donc, c'est un sommet qui est extrêmement important. Et parce qu'il va discuter justement du renforcement de ces politiques de coopération dans l'économie réelle, dans l'économie physique, dans la coopération scientifique et technologique. Et en même temps, il pose la question cruciale de créer une monnaie commune qui va se substituer aux échanges forcés par le dollar ou par l'euro, et donc ouvrir des champs de coopération absolument énormes entre tous ces pays, en particulier la Chine et la Russie. Et il faut absolument s'engouffrer dans cette brèche, et du moment que, même sur le plan sécuritaire, militaire et politique, la situation est très très favorable. Et je crois aussi que d'abord la visite du président Boon en Russie, puis celle de la Chine, celle actuellement en Chine, est un choix stratégique qui est actuellement très clair, et il faut aller courageusement, efficacement dans cette voie. Oui, alors Monsieur Kamel Louage, vous me tendez la perche, on va la saisir ensemble. Alors, ce timing de la visite du président Abdelmadjid Tebboune en Chine n'est pas fortuit, n'est pas anodin, puisqu'il intervient justement quelques jours ou quelques semaines après la visite qu'il a entamée en Russie, ce qui porte plusieurs connotations et bien sûr qui révèle pas mal de points forts concernant le redéploiement quelque part de l'Algérie dans l'enceinte internationale. Absolument. C'est extrêmement important parce que le monde hérité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est pratiquement terminé. L'Europe, ce n'est plus l'Europe d'avant. Les pays européens sont virtuellement en faillite. Les États-Unis sont dans un processus, une dynamique de déclin. Donc, cette visite, justement, au moment où il y a eu l'émergence d'un nouveau monde, certainement qui va prendre un certain temps, et de changements radicaux, y compris dans la région arabe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, la visite du président Boon donc place l'Algérie dans une voie qui a choisi la partie qui est dans un processus de développement et de renforcement de leurs économies réelles, dans leurs économies physiques, et avec une vision de souveraineté. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait en opposition à l'Europe ou aux États-Unis. L'Algérie est ouverte à des relations équilibrées avec toutes les régions du monde, avec tous les pays du monde. Néanmoins, elle fait le choix stratégique de renforcer ses relations avec, passez-moi l'expression, le camp qui gagne. Le camp qui gagne aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui a développé une économie qui résiste aux secousses et qui est en train d'ouvrir des champs absolument énormes pour le futur. Donc,
Donc, cette visite et celle d'avant avec sa présence en Russie, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, est extrêmement importante aussi sur le plan politique. Au-delà des questions palestiniennes ou du Sahara occidental, mais c'est surtout le choix politique et stratégique de s'allier avec des forces et avec des puissances qui sont en train de jouer le rôle de locomotive pour une refondation globale dans les relations internationales, mais aussi qui ouvre effectivement des possibilités et des champs de coopération dans l'économie réelle, c'est-à-dire dans les secteurs dont ont besoin les pays du Sud, notamment l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne. Et de ce point de vue, et la Russie et la Chine l'ont prouvé déjà dans le passé, mais aussi s'engagent activement aujourd'hui à investir dans les pays du Sud, à transférer des technologies, à créer des entreprises et à donner du travail aux gens et participer au développement social et humanitaire de toutes ces régions. Donc, moi, je trouve qu'on ne peut que saluer cette visite du président Tebboune et on ne peut aussi que saluer son courage parce que, croyez-moi, il faut vraiment avoir du courage pour aller faire ces deux visites consécutives et afficher d'une manière claire et tranchée le choix de l'Algérie pour le futur. Merci beaucoup, monsieur Kamel Louage, pour tout cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste à Sputnik Afrique et que vous étiez avec nous depuis Moscou. Merci. Monsieur Kaoubi, alors dites-nous, si on tente de faire un lien quand même entre la visite de Moscou et la visite de la Chine, selon vous, quel regard porte aujourd'hui Moscou à cette visite en Chine, d'autant plus que ce sont deux pays du BRICS, il faut le rappeler. Oui, donc le regard, bon, c'est un intérêt. Moscou est en train de suivre donc, ce qui est en train d'être fait en termes d'actualisation du logiciel de l'Algérie par rapport aux différents partenaires. Pas uniquement par rapport à la Chine, qui demeure un partenaire important et qui est impliqué dans un processus de relations bilatérales et multilatérales qui intègre aussi la Russie, du moment où l'Algérie a formulé clairement sa demande d'intégrer le BRICS, donc où les deux pays qui sont la Chine et la Russie jouent un rôle prépondérant et très important. Donc, je dirais qu'en matière de processus, de développement et d'actualisation des relations par rapport à ce qui se passe sur le plan géostratégique et dans cette nouvelle reconfiguration en matière de relations économiques et commerciales, la Moscou ne peut être qu'attentif et à l'écoute de ce qui est en train de se passer dans la mesure où Alger aura un rôle déterminant à jouer sur le plan régional et sur le plan continental dans cette nouvelle configuration. Donc cette mise à jour du logiciel Algérie par rapport aux relations, à ses relations avec les différents groupes et les différents pays, je dirais, qui s'inscrit dans un cadre de processus. La reconfiguration s'est vue par rapport à une actualisation des relations avec l'Union européenne, le processus est en cours de discussion et de négociation. Le processus a touché des relations avec l'Italie, avec un accord de coopération stratégique, de même qu'avec le Portugal. Et donc, partant de cette position de non-alignement et de valeurs qu'ont été toujours défendues par l'Algérie, que ce soit sur le plan politique, par rapport au principe de non-ingérence et au principe donc, de droit des pays émergents et sous-développé de disposer de leur destin en tissant des relations équitables avec les pays développés, sur le plan donc de valeurs, sur le plan politique, mais aussi défendant des valeurs sur le plan économique basées sur des relations beaucoup plus équilibrées entre l'Occident et les autres parties du monde, l'Algérie est en train de recomposer et de tisser de nouvelles relations. Ce qui est important dans cette nouvelle politique qui se veut pragmatique et qui se veut donner la priorité aux intérêts de l'Algérie, c'est de tisser des relations et d'être un acteur dans cette reconfiguration. Parce que l'Algérie, jusqu'à présent, a été, depuis l'instabilité des débuts des années 90 jusqu'à récemment, a été beaucoup plus consommatrice de ce qui se passait au niveau mondial. Elle a été beaucoup plus passive qu'active. Donc la volonté des pouvoirs publics de
relancer cette politique active en tirant profit tant qu'il soit possible de tous les avantages qui pourraient être tissés en matière de nouvelles relations, c'est quelque chose de louable. Ce qui se fait actuellement, que ce soit avec la Russie, avec la Chine ou avec l'Europe, oui, et sur le plan africain, sur le plan arabe, donc les cinq dimensions des relations stratégiques de l'Algérie, est important. L'ajustement se fait sur le plan des relations internationales. Les connexions devraient suivre sur le plan économique et sur le plan des marchés. Les 19 accords qui ont été signés aujourd'hui montrent donc toute l'importance des secteurs qui ont été concernés par cette réactivation et cette actualisation des connexions. On attend à ce que les acteurs sur le plan microéconomique, sur le plan des marchés, oui, donc les entreprises, les banques, les individus, donc soient au même niveau de ces nouvelles connexions et que les processus de mise en œuvre de ces relations stratégiques soient traduits par des actions sur le terrain. C'est pour ça qu'on va dire, dans ces cas-là, quels sont les domaines de prédilection qui intéresseraient les deux pays des deux côtés. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'Algérie veut sortir un petit peu des exportations hydrocarbures, on veut aller vers des exportations hors hydrocarbures. Alors, de quelle manière peut-on faire le marketing de certains domaines pour qui pourraient intéresser la Chine? Et qu'est-ce que nous, ou l'Algérie, peut prendre de cette Chine? Et qu'est-ce que la Chine a à nous proposer? Très bien. Parfait. Question pertinente. Juste sur le plan de la méthodologie, avant d'arriver aux exportations, il y a quelque chose d'important à exposer. L'objectif de la politique économique actuelle de l'Algérie, c'est la diversification de son économie. Et deux, c'est de créer de l'intégration de manière beaucoup plus importante que ça se passait avant. Oui. Pas uniquement dans le domaine du pétrole, des hydrocarbures et de l'énergie, la pétrochimie, mais les autres secteurs d'activité. Ceci aura pour conséquence logique d'accroître la production de l'Algérie, d'améliorer de la compétitivité de nos acteurs dans le domaine de la production des biens et services, et ça serait une consécration logique en ayant des possibilités de positionnement sur le marché étranger. Mais pour arriver à cette diversification, l'histoire récente des success stories en matière d'économie démontre quelque chose d'important, c'est que la voie la plus courte et la plus apte à réussir dans le domaine de l'économie, c'est de tisser des joint ventures. La Chine, puisqu'on parle de la Chine, oui, elle n'a pu réaliser ce bond important, remarquable, unique dans les annales de l'économie mondiale qu'à travers des relations de partenariat avec l'Occident. La Chine a pu inventer le capitalisme d'État. Elle a activé les marchés, elle a accéléré le processus, discipline, travail et beaucoup d'abnégation, de bons choix. Donc, c'est sur ce terrain que la coopération pourrait être faite. Donc, on pourrait nous inspirer de ce processus de transformation réussi que la Chine a pu réaliser sur le plan de terrain économique. De l'autre côté, la Chine qui est en train de revoir sa carte par rapport à donner une impulsion à son processus de croissance. Depuis quelques années, la croissance en Chine est en train de connaître une baisse sensible. Une petite dégringolade. Oui, une petite, mais remarquable. Oui. De 8-9% de taux de croissance du PIB, actuellement, on est à 5-4. Donc, c'est quelque chose qui est assez lourd. C'est en raison de la crise en Ukraine ou pas? Pas que. Pas que. Pas que. Donc, la Chine a besoin de nouveaux espaces pour accélérer son processus de croissance. Ouais. Donc, ces espaces passent par l'investissement et passeraient nécessairement par le partenariat et le joint venture. Avec l'Afrique. Et comme l'Afrique est cette partie du monde qui est appelée à connaître les taux de croissance les plus importants par rapport à ses atouts, à son potentiel, mais aussi par rapport à toutes les activités l'Afrique est en retard dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine de développement humain, etc. Mais ceci constitue un champ d'investissement et un gisement de croissance les grandes puissances mondiales sont en train de disputer. Donc la Chine est déjà en Afrique. À titre d'exemple, pas uniquement, la Chine a consacré pendant les 6 dernières années plus de 50 milliards d'investissements directs
annuellement en destination de l'Afrique. Sur les 280 millions, milliards de dollars oui. destinés à l'investissement hors Chine, il y a 50 milliards qui sont destinés à l'Afrique et qui sont appelés… Ah, c'est conséquent quand même. C'est conséquent, bien sûr. C'est pratiquement le quart de son budget destiné à l'investissement. Pour dire que l'Afrique est depuis déjà une dizaine d'années… Un véritable pôle d'intérêt. Tout à fait. Donc, mais l'Algérie ne capte que 1,5 milliard d'investissements moyens par an. D'où la nécessité peut-être de faire mieux. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'insistais sur, dans la première intervention… de l'importance d'aller du terrain du business et des échanges commerciaux, achats et ventes, à quelque chose de beaucoup plus élaboré, qui est la création de joint venture et d'explorer tous les gisements dans les divers secteurs d'activité. Les réformes qui ont été menées actuellement par l'ajustement de l'environnement, de l'investissement en Algérie pour le rendre beaucoup plus attractif et pour le mettre au même au même timing par rapport à ce qui se fait sur le plan mondial. L'Algérie a montré et elle a choisi justement sa politique et ses préférences pour les secteurs d'activité. Très bien. 6 secteurs ont été mis en place par l'Algérie comme des secteurs prioritaires. Donc l'industrie, la métallurgie, l'exploration minière. Et on va en parler justement plus amplement plus dans un petit instant. Juste le temps de retrouver M. Faisal Isdarem, qui est chercheur en questions internationales. Bonsoir, M. Faisal, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Oui, Monsieur Isdarem, alors comme on vient de le faire ou comme vous venez de l'entendre avec nous et Monsieur Kaoubi parlait justement de ces opportunités que la Chine trouve en Afrique, est-ce qu'il est temps aujourd'hui pour les deux pays, l'Algérie et la Chine, de rattraper entre guillemets le temps perdu et justement et faire de l'Algérie une sorte de portail vers l'Afrique noire? Certainement, comme je l'avais indiqué dans d'autres occasions, c'est que ce qu'on est en train de vivre actuellement avec la visite du président Abdelaziz Tebboune en Chine n'est que l'aboutissement d'un long chemin de relations bilatérales qui s'étend sur 65 années d'échanges, de relations, sachant que... Les échanges économiques entre l'Algérie et la Chine se sont accélérés depuis les années 90 plutôt, là où l'Algérie a commencé à s'ouvrir vers l'économie de marché, bien que le tournant stratégique de la Chine était vers pratiquement la même période, c'est-à-dire entre les années 80 et les années 90. Effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est que l'Algérie a une place très importante, je dirais même prépondérante, dans ce qu'on appelle Belt and Road Initiative, l'initiative de la ceinture et de la route, qui a été initiée et qui est le projet phare de la Chine, dans le cadre de ce que proposait Xi Jinping, ce qu'on appelle la civilisation mondiale. L'Algérie a toute sa place dans ce grand projet et elle est quand même l'ouverture dans toutes ces régions. Pas seulement l'Afrique, quand vous avez dit l'Afrique noire, vous avez l'Afrique de l'Ouest, la région du Sahel et d'autres régions allant jusqu'à la corne d'Afrique. Oui, tout à fait. Sachant que même si il y avait un accord stratégique qui a été signé par les deux États en 2004, mais le vrai commencement de ce partenariat a commencé quand même en 2014, où on voit que la Chine
est déjà présente dans les grands projets et elle sera présente aussi dans de grands projets qui sont prometteurs non seulement pour l'Algérie pour toute la région, notamment le port d'El Hamdania à Cherchel qui va quand même, selon les pronostics de d'analystes et d'experts, qui va concurrencer les principaux ports de la Méditerranée, notamment Valence, Marseille ou Tanger. Très bien. Alors, justement, Monsieur Faisal, si on passe un petit peu, pour sortir un peu du volet économique, et je sais combien il est important, les deux pays ont exprimé quand même, lors des différentes rencontres et entretiens que le président Tebboune a eu avec le président, avec le Premier ministre et avec des personnalités chinoises lors de cette visite. Alors, même sur le plan politique, on sait que la relation entre les deux pays est centenaire, et qu'aujourd'hui, elle est appelée à être relancée, à être renforcée. Les deux pays ont quand même exprimé leur convergence de points de vue sur certaines questions, surtout les questions en urgence, notamment par exemple le dossier sahraoui ou le dossier palestinien. On voit très bien qu'il y a quand même un lien assez fort dans les points de vue des deux pays concernant ces deux questions en particulier et d'autres questions également. Certainement, quand on lit le long communiqué qui a été rendu public hier, l'on constate que les principes en politique internationale et en coopération internationale qui lient les deux pays sont immuables. Ça nous fait rappeler les principes qui étaient à l'origine du congrès de Bandung où la délégation algérienne fut conviée, bien sûr avec le soutien de la République de Chine populaire à ce moment-là, ils ont réitéré leur attachement à des principes l'intensification des consultations et de la coordination sur les questions internationales, la poursuite d'un soutien indéfectible à leurs intérêts fondamentaux, oui. Le soutien mutuel dans la préservation de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, et aussi, bien sûr, combien il est cher à ces deux États défendre le principe de non-ingérence, c'est-à-dire les principes politiques de relations internationales entre les deux pays sont toujours immuables et sont toujours d'actualité. C'est le secret de cette longévité et de ce renforcement de ces relations-là entre les deux pays. Très bien. Alors, restez avec nous. On va revenir vers vous, Monsieur Faisal Isdaren. Je me tourne vers vous, Monsieur Kaoubi. On dit que les deux pays, quand même, qui sont presque de grands pays, c'est presque des continents, la Chine et l'Algérie. Donc, toutes les ressources n'ont pas été exploitées. Est-ce l'occasion, justement, de voir ensemble quels sont les secteurs que peut-être il va falloir regarder de près? Justement, d'ailleurs, ce qui est souhaité, du moins de la part de l'Algérie, c'est de donner une autre dimension, celle-là beaucoup plus à la hauteur des possibilités et des potentialités dont disposent l'Algérie et la Chine. L'Algérie veut industrialiser le pays, veut assurer sa sécurité alimentaire, oui. Veut se positionner sur le marché des nouvelles technologies, et veut être un acteur important, au moins sur le plan continental. Et pour cela, un processus de transformation a été déjà lancé. Mis en place, oui. Oui, des ajustements ont été faits pour rendre la destination Algérie intéressante en matière d'investissement, plus attractif, l'amélioration du climat des affaires. Une deuxième génération de réformes devrait rentrer et être mis en œuvre dans les jours à venir pour entamer les ajustements de l'environnement microéconomique et donc permettre un effet d'éviction pour les activités de production, de transformation et par-delà accroître de la compétitivité des entreprises algériennes. Donc vous voyez, la Chine est leader
d'importants secteurs d'activité. Quand on parle de valorisation de nos ressources en matière d'énergie renouvelable, la Chine pourrait être un des partenaires les plus importants et qui dispose non seulement de moyens financiers qui peuvent accompagner de projets à grande intensité capitalistique, mais aussi dispose de savoir-faire et de maîtrise en matière de technologie. C'est le cas aussi de l'industrie de l'électronique, qui est un des secteurs les plus privilégiés par l'Algérie dans ce processus de réindustrialisation, la pétrochimie, les grandes infrastructures, mais pas selon la logique qui a été faite et pratiquée jusqu'à présent. L'Algérie ne veut pas acheter des biens et des services uniquement, mais de faire ces projets, soit avec de nouveaux instruments... De maîtriser cette technologie... Tels que le partenariat public-privé. Oui. Donc dans le domaine de transport ferroviaire, avec l'important projet allant jusqu'au sud du pays et par-delà en Afrique, que ce soit... La dorsale. Oui, la dorsale. Le projet donc d'exploration de fer, d'autres gisements dans le domaine des hydrocarbures, dans le domaine des polymères. Des projets et des partenariats ont été tissés. Donc c'est cette nouvelle logique qui est souhaitée et qui serait la voie à suivre pour que ce partenariat puisse valoriser tout le potentiel algéro-chinois, non pas dans le domaine de la sphère des échanges commerciaux. Oui, Monsieur Taoubi, au fait, ce partenariat Algérie-Chine, c'est un partenariat prometteur pour l'avenir, parce que le partenariat entre les deux pays, c'est également cette fameuse route de la soie dont on parle. Alors, comment pourrait-elle être bénéfique pour l'Algérie? De quelle manière l'Algérie peut en profiter, et surtout de quelle manière, ou si vous voulez, est-ce que l'Algérie peut être jouer ce rôle pivot entre la Chine et l'Afrique, même si on sait très bien que la Chine est déjà très présente en Afrique? Oui, donc les connexions que permet l'Algérie par rapport à cette route de la soie, qui, il faut le rappeler, a un caractère transversal, donc horizontal. Donc cette route de la soie a besoin de connexions pour aller vers les profondeurs. Donc ces deux grandes artères qui sont la transsaharienne qui va d'Alger jusqu'au Nigeria, et qui permet donc de créer des connexions vers tous les pays africains, de créer des corridors aussi, justement régions, tout au long de cette route. De même que la route Le Caire, Cape Town, qui est importante. Donc vous voyez, cette profondeur ne peut se faire qu'à travers des connexions qui peuvent aller dans la verticalité et d'aller vers les marchés pour pouvoir créer des connexions avec cette transversale qui ne peut être rentabilisée à juste titre que si, encore une fois, les connexions sont faites. Et l'Algérie a toutes les aptitudes pour créer les meilleures connexions dans ce domaine. Absolument. Alors, Faisal Isdalen, donc on revient vers vous. Alors, il est vrai que les entreprises chinoises, qui sont un modèle qui fonctionne en Algérie, c'est ce qui les différencie peut-être de leurs concurrentes. L'Algérie a fait appel à la Chine dans les grands projets de construction, par exemple, avec des résultats probants. Quel est le secret, justement, du modèle chinois? Pourquoi le modèle chinois réussit à tous les coups? Alors, c'est une très grande question et la réponse, elle va pas être c'est-à-dire très résumée, parce que justement, c'est le secret du modèle chinois. Oui, le secret du modèle chinois, c'est que les Chinois, ils adoptent ce qu'on appelle une approche holistique, c'est-à-dire quand ils réfléchissent, quand ils planifient, quand ils agissent avec un principe de globalité. Parce que tous les secteurs sont interconnectés. Je peux juste, à juste titre, évoquer un personnage politique central que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui est cinquième membre de le Politburo du Parti communiste chinois, qui est Wang Wuning, qui est quand même considéré à l'extérieur de la Chine comme l'idéologue et les théoriciens de la Chine nouvelle. Wuning
voit que le volet le plus important et central, c'est le volet moral. C'est-à-dire pour qu'il y ait une Chine qui peut affronter la mondialisation, parce que sachant que il a quand même il s'est fait connaître par un livre qui a fait quand même, il était un best-seller, c'est America Against America, où il critique le modèle américain de mondialisation, de libéralisme à outrance, mais en même temps, il jette les bases d'une théorie culturelle, à savoir comment défendre le modèle chinois tant à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine. Votre invité ou bien mon collègue a quand même parlé sur le sens moral, la discipline du travailleur chinois ou bien du dirigeant chinois. Ce qui réalise le secret du modèle chinois, bien sûr, parce que il faut savoir que les facteurs culturels dans une société, c'est ce qui fait l'organisation économique de la société. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu réussir, qu'ils ont pu, avec la discipline, avec une certaine unité morale, une unité culturelle, ils ont pu quand même prévaloir leur, bien sûr, leur modèle et l'exporter à l'extérieur. Oui, très bien. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Faisal Isdaren. Je rappelle que vous êtes chercheur en relations internationales. Alors, Monsieur Kaoubi, vous étiez avec nous, bien sûr, depuis Paris. Merci. Monsieur Kaoubi, je vous repose la même question. Au fait, d'où tient ce génie chinois? Le génie, les Chinois ont fait deux choses qui sont fondamentalement paradoxales sur le plan théorique. Ils ont fait un atout et quelque chose de très réalisable sur le plan pratique. Les Chinois, la propriété des moyens de production est étatique, oui. Mais les logiques de fonctionnement sur le plan économique sont privées. Oui. Alors, ce génie de faire ce mariage contre nature, sur le plan théorique, révèle tout le génie. De l'autre côté, ils sont partis d'un principe qui est culturel, spécifique à la société chinoise. Cette logique de verticalité et de discipline a fait la force. Quand les choses sont décidées, on rentre dans la logique de réalisation et d'exécution et il n'y a pas de retour ou d'excès qui peut rendre la machine relativement lourde. Et puis, il faut le dire, les Chinois copient très bien et arrivent à donner de la valeur et accélérer les processus d'apprentissage. Quatre, les Chinois travaillent beaucoup et les Chinois travaillent de manière exceptionnelle sur le plan de l'organisation. Et donc, qu'est-ce que le développement si ce n'est une bonne architecture et du génie de bâtisseurs en matière de réalisation. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir des positions de compétitivité par rapport aux autres nations qui les dévançaient énormément et donc de produire mieux et d'être compétitifs à l'international. C'est ce qui fait qu'ils ont pris de l'avance. Justement, alors on poursuit ensemble, M. Kaoubi. Oui. Les deux parties ont d'ailleurs convenu, et il faut le rappeler, de l'augmentation du volume des échanges commerciaux. Mmh. Alors, si vous voulez, une manière un petit peu d'encourager les exportations hors hydrocarbures, comme on le disait tout à l'heure. Mais il y a aussi cet aspect, dans le rapprochement des deux pays, qu'il faut également encourager, à savoir l'aspect culturel. Peut-être que le rapprochement sur ce plan va favoriser justement les opportunités économiques. Oui, les ouvertures. En tous les cas, on ne peut pas concevoir un partenariat sans qu'il y ait une mobilité des personnes, plus d'échanges, des capitaux et des services. C'est ça. Donc les échanges, c'est quoi si ce n'est une mobilité, une rapidité, donc de part et d'autre, de visiter, de connaître l'autre. C'est ça qui facilite les créations de joint venture. Si on ne se connaît pas, si on ne se rend pas visite, si on ne développe pas en premier des petites... Si on ne se connaît pas davantage. Oui, donc, le mariage dans le domaine des affaires est pratiquement le même dans le domaine des relations humaines. Oui. Donc, on se marie
le mariage est beaucoup plus réussi quand il est basé sur une connaissance mutuelle préalable qui permet donc de préparer le terrain et de créer toutes les conditions de réussite du joint venture. Moi, je dirais que cette question d'exportation est importante. Ça serait difficile aux entreprises algériennes d'avoir des positions sur le marché africain. Restons sur le marché chinois. Restons objectifs. OK, les entraves, ça serait bien que l'Algérie ne soit pas pénalisée par des barrières tarifaires. La Chine a accordé des avantages pour d'autres pays africains, oui, en nombre de 5. Donc l'Angola, le Zimbabwe, donc, qui trouvent que leurs biens et services ne sont pas imposés et disposent d'avantages. Ça serait bien que nos produits soient aient le même sort qui leur soit réservé que les autres produits. Pour les autres. Mais on a du chemin à faire, on a beaucoup de choses à apprendre et la voie la plus courte, la plus importante, c'est de travailler ensemble, d'apprendre ensemble et de faire du gagnant-gagnant en matière de production. Très bien, Monsieur Kaoubi, ce n'est pas du tout mon désir de vous couper. Merci. Juste pour qu'on puisse un petit peu clore cette émission. Alors, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé au Forum économique bilatéral par la voix de son chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui est revenu justement sur les opportunités d'investissement en Algérie, car l'Algérie peut également représenter une opportunité pour beaucoup d'investisseurs. On l'écoute. لا يمكن لأي حديث عن العلاقة الجزائرية الصينية. Il n'est pas possible d'évoquer les relations algéro-chinoises sans revenir sur la profondeur des relations historiques, qui sont des relations authentiques, gage de notre intérêt commun à bâtir le partenariat stratégique approfondi et dont nous avons posé la première pierre sur la voie de son renforcement à l'occasion de la visite d'État que j'ai l'honneur d'effectuer en République populaire de Chine, pays ami, sur invitation de son Excellence, notre cher ami le président Xi Jinping. Cette visite que j'effectue est également une expression franche de notre engagement à œuvrer dans le sens de la promotion de nos relations bilatérales au sein desquelles nous accordons une importance capitale à la coopération économique. L'Algérie jouit aujourd'hui de nombreux atouts qui ont fait d'elle une destination prometteuse pour l'investissement dans des secteurs vitaux tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, le tourisme et les énergies renouvelables, les transports ainsi que les services et les infrastructures, et ce grâce aux décisions et aux mesures que nous avons entreprises pour booster l'esprit d'initiative et ouvrir la voie à la concurrence. Très bien alors, Monsieur Kaoubi, on l'a entendu, ce n'est pas les opportunités qui manquent, ce n'est pas les domaines d'investissement qui manquent, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous poser des questions, je vais juste vous dire quel est votre commentaire là-dessus. Le commentaire, ce qui est le plus important, c'est qu'on soit à la hauteur de toutes ces potentialités dont on dispose. Il faut saisir, vraiment. Il faut les saisir. Et la seule voie, c'est le travail, c'est l'abnégation. Mmh. Et puis, il faut payer le prix nécessaire pour créer ces joint ventures et donc de multiplier notre richesse, de transformer, de faire de l'intégration. Mmh. C'est très important. Oui, très bien, Monsieur Kaoubi, merci d'être avec nous, merci pour cet éclairage. Nous remercions également nos invités un à un qui sont passés avec nous. Faisal Isdaren, chercheur en relations internationales, était avec nous depuis Paris. Kamel Louage, journaliste à Sputnik Afrique, était avec nous depuis Moscou. Et bien sûr, Monsieur Mahfoud Kaoubi, expert en économie, qui était là avec nous. Merci de nous avoir prêté attention. Demain, on se retrouve pour un nouveau numéro d'une édition spéciale de la visite. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع مدار